À l'école, je me suis fait harceler pendant 5 ans. Tout le monde se moquait de moi. Tout le temps, partout, à l'école, en récréation et en dehors. Je pleurais tous les jours. Je n'avais pas d'amis et j'ai gardé le problème en moi. On a fait une spirale pour le harcèlement. On a fait un rond orange, jaune, et après on a fait une flèche. On a écrit le mot la fierté. Parce qu'on est content au début de notre vie. On est content. Nous. Avant de se faire harceler, on mène une vie comme toutes les autres personnes. On est content. Enfin, je sais pas. On a envie de vivre. Le début du harcèlement commence. Ouais, le début du harcèlement commence. En fait, c'est quand on commence. C'est le début. C'est comme le début de notre vie, mais c'est le début du harcèlement. Donc c'est là qu'on commence à. Les personnes commencent à harceler les autres personnes. La troisième partie du harcèlement. Ça va être le continuement du harcèlement, parce que ça se répète, ça se continue. Et après ça fait un effet de masse, c'est pire, de plus en plus. Là c'est le quatrième cercle, donc c'est un cercle gris avec des points noirs. C'est l'empire, en gros c'est le harcèlement quand il empire et ça commence à être grave. Et c'est quand il faut commencer à en parler à des personnes et pas se laisser faire à ce moment-là, parce que c'est le moment qui devient le plus douloureux. Le gros rond noir. C'est en fait le pire moment. C'est le moment au point de mettre fin à sa vie. Il y a trois sortes de harcèlement. Le harcèlement moral, c'est harceler avec la parole, par exemple l'insulte. Le harcèlement physique, c'est harceler avec les coups. Le cyberharcèlement, c'est harceler avec les réseaux sociaux et téléphones, par exemple insulte. Comment se manifeste le harcèlement? Le harcèlement comporte trois personnages importants. Les harceleurs, les personnes au milieu qui laissent faire, les harcelés. Le harcèlement commence souvent par la jalousie, l'irrespect, la méchanceté, la moquerie. Le harcèlement se poursuit par des insultes, de la violence, du racket. Tout cela est répété et entraîne automatiquement de la tristesse, de la solitude, de la peur. Parfois, les persécutions sont si répétées que la victime se suicide. Thank you.
Quelles sont les conséquences du harcèlement? Il peut y avoir plusieurs conséquences. 1. Les pleurs, la tristesse, la peur. 2. Elle peut rendre les coups au harceleur. 3. Elle ne veut plus se lever le matin. 4. Elle peut aller jusqu'au suicide. La situation peut laisser des traces toute la vie. Cela empoisonne la personne et son entourage. Avec le harcèlement, on peut vivre l'enfer toute sa vie. Le harcèlement est dangereux car la victime est malheureuse. Pas envie de venir au collège, mal au ventre, envie de pleurer. Le harcèlement commence par la souffrance de se faire insulter et frapper. Elle se sent seule car les autres ne veulent pas être amies avec elle, de peur de se faire harceler à leur tour. Elle est stressée, en colère, elle veut se venger. La victime garde tout pour elle et elle peut se scarifier pour se libérer d'une souffrance intérieure. Cela peut mener jusqu'à la dépression et au suicide. Que faire pour arrêter le harcèlement? Il faut le dire aux parents et aux surveillants et à la CPE et en parler aux amis. Ce qu'il ne faut pas faire, ne pas s'enfermer sur soi-même, ne pas rester chez soi, ne pas rester isolé et ne pas provoquer la personne. Le cyberharcèlement. Éteindre le téléphone avant de dormir, sécuriser le téléphone et ne pas répondre à la personne qui vous envoie des messages. Pourquoi le harcèlement existe-t-il? Qui harcèle? Ceux qui sont jaloux, en colère, qui ne respectent pas les différences, qui se sentent supérieurs aux autres. L'effet de groupe les entraîne à harceler. Qui est harcelé? Ceux qui sont sensibles et seuls, ceux qui ont de la douleur. La victime manque de courage car elle n'ira pas en parler. Le harceleur manque de courage car il se trouve des amis pour aider à harceler. Le harcèlement existe au départ parce que des élèves veulent embêter pour plaisanter ou pour se faire remarquer. Les harceleurs sont parfois jaloux car leurs victimes ont quelque chose qu'eux n'ont pas. Les harceleurs sont souvent plus âgés, plus grands et plus forts. Parfois, les élèves harcèlent car ils veulent se venger de leurs victimes. Au début, ça peut être un jeu, puis au fil du temps, cela s'amplifie, s'aggrave et cela peut être mortel. Paillettes, coton, colle à chaud, fausse plume, joyeux, bonheur, blé maïs, craie grasse, fil chenu, amitié, pompon, fil chenu, harcèlement. Fil chenu, colle à chaud, paillère, plastique, viol, les maïs, fil chenu, plastique, fausses étoiles et faux. Suicide. Thank you.
pourquoi je ne suis pas allée me plaindre. À cause de la peur d'être jugée, peur qu'on me dise que c'était de ma faute. Je n'allais pas me plaindre car je pensais qu'ils allaient arrêter et toujours la peur qui m'en empêchait. Puis on a commencé à enlever mes chaussures, mes chaussettes, défaire ma ceinture, enlever mon t-shirt de mon jean. Pendant tout ce temps, on me touchait de partout comme si j'étais plus un humain, mais un objet. On me touchait la poitrine et les fesses. J'ai même fini par croire que c'était fini, qu'on allait me violer et que je l'avais mérité. Suite à ce début d'année et à cet événement, j'ai fait une dépression. J'ai dû me rendre chez le psychologue. J'ai des troubles alimentaires régulièrement, des crises d'angoisse, et lorsqu'une personne est tactile, ne serait-ce qu'un câlin, je suis paralysée. Incapable de faire quoi que ce soit, de réagir. Le plus dur dans cette histoire a été le moment où on m'a demandé si j'avais cherché, si je les avais aguichés en ayant une tenue ou un comportement provoquant. C'est donc ça la France, une fille va se faire violer, mais c'est de sa faute. Le harcèlement ne devrait plus exister. C'est par sa faute que beaucoup d'adolescents se suicident dans le monde. La plupart du temps, trop de personnes ferment les yeux devant cela. Mais il faut en parler à des personnes qui écoutent réellement. Comment éviter le harcèlement? Il ne faut pas s'isoler, il faut parler de son mal-être. Si tout le monde est respectueux, le harcèlement n'existe pas. Nous avons tous un rôle à jouer, chacun doit être responsable de ses actes. Supérieur. Macari. Différence. Méchanceté. Répétition. Violence. Vengeance. Colère. Cyberharcèlement. Haine. Jalousie. Bagarre. Insulte. Irrespect. Si je l'ai harcelé, oui, c'est vrai. J'ai honte. Je n'aurais pas dû. Pourquoi elle ne m'a pas dénoncé? Pourquoi elle n'en a pas parlé? Je me rends compte seulement maintenant du mal que je lui ai fait. Je ne recommencerai pas. J'ai peur que ça m'arrive. Lauriane. Lily. Lucie.